Moi, c'est Alexandre Vive, je suis président de la société V-Event, une société d'événementiel virtuel. Ce qu'on va faire, c'est créer une solution pour les organisateurs, les annonceurs, les visiteurs, leur mettre en fait à disposition l'ensemble d'outils pour pouvoir faire des événements de tout type en fait, hein, que ce soit des salons, foires, congrès, avec en fait des mécaniques qui se rapprochent vraiment du jeu vidéo. On va être vraiment sur des événements type métavers. J'ai fait une licence informatique en double cursus avec un cursus master ingénierie. À la fin de ma licence, en fait, je suis allé sur Albi pour faire un master projet multimédia jeu et en même temps un cursus entrepreneurial. Donc j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que en fait j'aimais créer, en fait ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui veut développer des choses, qui veut apporter en fait un peu sa vision et la partager. Donc en fait ça passe par, pour moi, l'entrepreneuriat. C'est le seul domaine où en fait déjà je pouvais avoir un maximum de possibilités en termes d'apprentissage. On apprend plein de choses quand on est entrepreneur et en même temps bah, ça nous permet de partir de zéro pour créer quelque chose de nouveau. Les qualités pour entreprendre, pour moi, c'est avoir un peu d'orgueil, parce qu'il va falloir en fait pousser le projet. Il y a quelques moments, ça va être difficile, donc il faut en fait être capable de le supporter. Pour moi, ça passe un peu par l'orgueil. Il faut, avec cet orgueil, avoir un peu d'humilité, parce que c'est aussi là-dessus, il va pas falloir être trop buté. Les personnes qui vont vous donner des conseils, qui vont vous aider en fait à améliorer votre projet, donc il faut savoir écouter. Pour moi, ce sont les compétences essentielles. Pour moi, la recette du succès, c'est vraiment le réseau. Ça passe en fait par tous les acteurs qu'il va y avoir autour de nous, c'est-à-dire que ce soit les partenaires, que ce soit les collaborateurs. Aujourd'hui, en fait, on peut pas réussir, à mon avis, une entreprise si on n'est pas capable d'aller bien s'entourer. Et ça passe par là, la recette du succès.